Ça, c'est... Ça, c'est le PEN 6. PEN veut dire passage à niveau. Donc, le 6e passage à niveau, en débutant par le port. Nous avons pour rôle, nous faisons la sécurité pour que le train ne puisse pas faire la collision avec des voitures qui passent. Ça veut dire, entre-temps, quand ce barrel-là marchait, quand on nous annonce un train du PK premier en route chez nous ici, par mesure de prudence, on fait descendre les barrières et on laisse passer le train. Et en ce moment, en principe, on lève notre bassin et la circulation reprend. Pour les trains lourds, il n'y a pas de jour fixe. Pas de chaque jour, ça fonctionne tous les trains. Il y a aussi des dizaines de travaux qui circulent aller comme retour. Donc il y a des trains lourds, il y a des MI, il y a des trains spéciaux. Ça fonctionne toujours. Mais les trains voyageurs, nous avons deux trains voyageurs. Il y a le ROC 1 qui quitte Pointe-Noire. Sur le on l'appelle le ROC 1. Quand il fait le retour de Brazzaville-Pointe-Noire, on l'appelle le ROC 2. Il y a aussi le train Mayom. Le train Mayom, quand qui quitte Pointe-Noire de Lizy Binda. Dans la semaine aussi, c'est au moins deux fois. Il va le lundi et revient le vendredi. Il revient le vendredi. Donc chaque train qui arrive, nous sommes informés comme si on était en gare. Et on prend le dépêche, on dit par exemple le train en route chez vous, nous écrivons l'heure à laquelle on nous donne ce dépêche et quelle est la gare entre la gare de Tietje ou bien la gare du PK premier qui n'annonce que le train va venir. C'est vraiment ce que nous faisons, c'est la sécurité.